Donc le restaurant, ça s'est terminé comme ça ce soir-là? Alors je lui pose la question suivante, je ne comprenais pas ce que c'était que Je t'aime moi non plus, je ne comprenais pas si c'était une chanson ou un film, et il me dit c'est les deux, donc il m'explique, et après le dîner il me dit si tu veux on peut, je peux te montrer Je t'aime moi non plus, ce qui était incroyable parce que c'était introuvable à l'époque, donc on a été chez lui et il m'a montré le film Je t'aime moi non plus, donc là il était déjà 2h du mat. Et après, il m'a dit, veux-tu voir Équateur, son deuxième long métrage? Parce que c'était génial, 4h du mat. Mais il s'est rien passé. Il a été téléphoné, lui, il a bougé un peu, il commentait un peu le film. Et après, à 4h du matin, il m'a demandé si je voulais dormir là. Et j'ai dormi là, mais il ne s'est rien passé, il ne m'a pas touchée. J'ai juste enlevé mon jean. Et il avait un lit de 3 mètres. Donc j'ai dormi sur le coin, mais comme je dormais spontanément chez des amis, ça m'a fait le même effet. Moi, je n'ai pas du tout pensé à quoi que ce soit d'autre. Mm-hmm. D'ailleurs, il n'y a eu rien d'autre.